On dirait une libellule. Non mais pousse-toi en plus, regarde mon pyjama que j'ai. Attends, je m'ouvre un peu là. On était dans un petit barrage. Tu t'es fait belle et pas moi. Non, en plus, regarde, c'est que j'ai la coiffure. Belle chance, ça va durcir. Allez. Ah oui. Salut, salut. Je reviens après peut-être 15 jours d'absence. J'ai reçu plein de messages où t'es. Pourquoi tu viens plus? Pourquoi tu fais plus de vidéos? C'est bon, là, je vais être moins occupée, donc je vais continuer mes petites vidéos comme avant, le mercredi et le dimanche, donc voilà. Nous voilà de retour, et pour ce petit retour, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Voilà, je suis venue en pyjama, hein, parce qu'il est quelle heure là? Quelle heure il est? 22h30. 22h30, je me suis déjà mis en pyjama. Alors Tisselle, par contre, je veux que quand j'ai les cheveux épis là, ouais, tu me le dises quand même. Ah mais tu crois qu'à chaque fois que tu vas parler, je vais faire... On s'est préparé un petit dessert parce que là on sort de table. Un petit dessert? Donc on s'est préparé un petit dessert. Alors la moitié pour moi, l'entier pour Tisselle, petit soupanet, t'as oublié les boissons. Je vais voir ce qu'on fait. Donc on va manger en même temps et on va répondre aux questions. C'est un beignet Nutella, c'est un beignet fête foraine, je l'ai acheté au supermarché. Et moi je voulais la moitié, bon. C'est vrai qu'à ce moment je fais un petit peu attention à mon régime. Donc je mange pas trop. Ça, ah, moi ça n'existe pas, régime. C'est un petit cheat meal. Ils sont bons? Oui. Comme la fête. Oui. Par contre c'est grave, hein, c'est mouillé. Hein. Ouais. Bon bref. Les questions, c'était en rapport avec nous deux. Allez. Alors première question. Tu viens de choisir les questions, hein. C'est ta vidéo. Dis toujours que je mange en paix. Je n'aime pas manger en vidéo parce que je dois surveiller tous mes faits et gestes et du coup je mange pas comme je veux. Et mange la bouche fermée, ah, oui, surtout. Petit clin d'œil aux gens qui supportent pas, ah, qui, s'aiment, qui mangent. Alors, ce n'est pas une question, mais je vous aime trop. Ça commence bien. Je dis pas les noms parce que... Enfin, je dirais pas les noms parce qu'il y en a qui veulent que je dise pas les noms. Après, il y en a... Enfin, les autres me l'ont pas dit, donc je préfère ne rien dire, on sait jamais. Alors, est-ce que vous viendriez... Non, est-ce que vous viendrez à Albi? Ben, on y est venu il y a pas longtemps. Moi, j'y étais hier. Moi, j'y vais pas. J'aime pas cette ville. I don't like Albi. Tu connais même pas? It's not in my heart. C'est pas dans mon cœur, je crois que ça veut dire. Pas du tout. Si, je crois. Ah. Par contre, lui, je vais être obligée de lui mettre son nom. Qu'il y a... J'ai un petit morceau, c'est sorti. Partout. Je vais manger le rouge à lèvres que je viens de me mettre. Le coin coin, tu vois. Ça va être chiant de manger et de répondre aux questions, je pense. En gros, vous êtes chiant de manger. On va chier. Kylian, elle pète toujours autant. Oui, oui, oui. Elle pète toujours autant. Ah oui, 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 oui. C'est sûr. Non, en vrai, non. Ça va, mon cul s'est calmé un peu. Mon cul, ouais, s'est calmé, pas le tien. Alors là, dernièrement, elle nous a pété à table hier. C'était hier. Ah oui, c'était tout à l'heure. Non, c'était hier. Alors, pourquoi tu sors en bas claquettes, chaussettes claquettes? Enfin, c'est mes barésies, parce que j'aime bien. J'aime bien, j'adore, je suis trop à l'aise avec ça. Alors, tu veux avoir un enfant, toi? Moi? Non, c'est bon, j'en ai assez. Moi, j'en veux 12. Et tu m'as dit 13, bah, quoi. Comme ça, j'ai les aides. Ouais, faut que je repense à l'argent dans la vie. C'est la question familiale. Les enfants, j'espère que vous verrez ça plus tard. Si vous êtes beaucoup, pour les aides. Tu veux que... Je suis heureuse de... Tu veux que je les aime pas dans ma vidéo, non? Ouais. Tu veux que je les aime en bas, non? Je suis heureuse de leur apprendre avant qu'ils soient là, tu vois. Moi, en même temps, ils regarderont. Et ils diront, oh la bip! Hein? Alléluia! Attends, toi, je vais mettre de l'huile sur le os de couette. Franchement, faire des vidéos. Une miette qui te. Mets-moi des miettes dans le lit avec ton anneau qui s'écarte en deux là. Ouais, t'as vu? Attends, c'est parce qu'il est mal mis. Bah, c'est pour tenir après à manger. Ensuite.
Alors, vous avez beaucoup de complicité, point d'interrogation? Non. Interrogation. Non. Non. Franchement. Tu es en vidéo? Ouais, voilà. Ouais, parce que moi je l'aime pas, je peux pas la voir. Hein. Abusé. Ah ouais, putain, je la supporte pas, on a la peine de se taper dessus. On se tape sur toutes les deux. On se tape sur, on se shit sur. Elle se shit sur. Story time. Je vous ai tourné une vidéo la dernière fois, une story time, je suis dégoûtée, elle a pas marché. Ah, je vais vous la refaire après, vous inquiétez pas. Parce qu'il vient de se passer. Lèche avant que ça tombe sur ma moutoupouette. Mais la story time en fait elle parle de chiasse, de ce shit sur quoi. Hâte que vous voyez ça. Hâte que je la fasse. N'y est pas. Si là. Bon, vas-y. Non 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 non, t'as les mêmes plein de chocolat. Elles ont amêché les mains. Partout. Bon, donc du coup on s'entend pas en fait, pas du tout. Ouais. Pas du tout, je peux pas la voir cette fille. Je sais pas d'où elle sort. Mais en tout cas, de ton cul, c'est pas possible. Ah non, ne sors pas de mon cul, je suis désolée. Va prendre des cours de chimie, de physique. C'est de la science. Non, non, va faire des cours de... Comment on appelle ça? Truc de corps humain. T'es encore à l'école, tu te rappelles plus? Bref, ouais. Des cours de science, quoi. Ah, pas du tout. Alors, mais en fait, je me vois de loin, tu vois, je vois que je suis moche. L'année prochaine, Tyssen va faire quoi en tant qu'étude? Non, j'aime pas répondre à cette question. Pourquoi tu décides de partir sur YouTube? Pourquoi t'as décidé d'aller de faire des vidéos sur YouTube? Ben moi, j'ai décidé comme ça il y a longtemps que je suis sur YouTube. Moi, très longtemps, je fais partie des premières filles sur YouTube. Je fais partie de la team Sananas. Ça a ouvert il y a combien de temps? 9 ans, mon YouTube. Ouais, mais moi, je fais partie de la team Sananas et tout ça. C'était la même époque, sauf qu'il y en a qui ont réussi, pas moi. Mais en fait, moi, c'est parce que allez, j'ai commencé en même temps que tout le monde, mais j'ai arrêté pendant un an. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, du coup, quand j'ai arrêté, eh ben les autres... Et Bibi, Jessica... Voilà. Et puis en fait, voilà. Après, tout le monde s'est mis sur YouTube. Maintenant, YouTube, maintenant, c'est comme si tu allais acheter ta baguette de pain, voilà. Tu te mets sur YouTube. J'ai une nouvelle idée sur les gens. Quoi? Faire des vidéos YouTube. Tu vas faire quoi? Bon, je sais pas, je présenterai mon chat. C'est trop devenu ça maintenant. Ouais, sinon, ouais, moi ça fait même. Ouais, 6 ans ça fait que je suis sur YouTube. Ouais, 6-7 ans j'ai commencé. C'est tout? Pas ouais. Plus? Ouais, non, 6-7 ans. Ouais. C'est ça, ça fait 9 ans que ça existe YouTube. Ouais, ça fait 6-7 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé d'aller. Comment ça fait? Et j'avais commencé à temps, j'ai pas fini. Pardon. Oh, ouais, je m'incruste et là-bas. Il y a des. Pourquoi je me suis mise sur YouTube? Parce que mais j'aimais bien. On a des... En fait, parce que je suis tombée. D'ailleurs, je sais même pas si elle a toujours des chaînes YouTube. Une américaine qui faisait des maquillages. Oh là là là. J'essayais de les reproduire à chaque fois. C'était les trucs de l'époque, non? Ouais, un truc de maquillage. Et tout ça, il n'y avait que du maquillage à l'époque. Et moi, je me suis dit, moi qui adorais faire le maquillage, moi aussi, je vais faire du maquillage sur YouTube. J'ai commencé comme ça. Hein, mes premières vidéos, c'était du maquillage. Le maquillage à l'époque, par contre. Ça marchait bien. Ils étaient moins chers. Mais ça marchait bien, les vidéos de maquillage. Maintenant, ça marche plus. Quand tu vois comment ça a évolué, parce que c'était bien avant, maintenant c'est trop beau. Mais après, ça dépend de qui. Parce que des gras youtubeurs. Ben moi, celle que je suivais, elle était forte. Oui, avec son truc de l'époque. Ouais. Après, peut-être on dira pareil dans 10 ans. Mais on se dira, putain, il y a 10 ans, qu'est-ce que c'était moche le maquillage. Il y a trop de couleurs. Parce que plus ça va, moins on se maquille. Ouais. Ouais, je sais pas, on verra. Avant, les filles, elles avaient du bleu, du rose, les gros sourcils. Mais maintenant, Zara Steele, par exemple, là, je donnais l'exemple, ou Caméléon, là, la fille, là, ben, elle, je vois, quand elle se maquille toutes les couleurs, c'est trop beau. Mmh. Moi, je me maquille toutes les couleurs, c'est trop moche. Parce qu'elles savent se maquiller. Ouais, je sais pas. Elles savent fondre les couleurs. Ouais, je pensais ça. Même ça fait beau. Enfin, bref. Ouais. La pire honte que vous avez passée ensemble. On va faire une story time. On va faire une story time sur ça, mais la story time de la mort qui tue. Il n'y a pas de honte. J'ai pas du chocolat partout. Non. C'est une story time qui va. On va parler d'elle, celle-là. Je le sens pas bien. Ensuite. J'avais bien les mains grasses. Mais c'est avec un soupe à l'ail. Regardez, je touche mes cheveux. Après, je me plains qu'ils sont gras. Quel crado que je suis quand même. Oh. De quelle origine êtes-vous? Alors, moi, je suis
Je suis polynésienne, turque, chinoise. Je crois que papa aussi, il est un peu japonais. Après, on a été, j'avais des origines aussi italiennes. Mais bon, ça, ça vient de la préhistoire, quoi. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, quoi, à l'heure où je vous parle, je suis juste marocaine. Et toi, t'es quoi déjà? Et je sais pas, c'est tout. Ouais. Voilà. C'est ça, non, je raconte ma vie. Alors, moi, je suis chinoise, africaine. Chinoise de son père, africaine de sa mère. Voilà. Marocaine de mon grand-père. Algérienne de ma grand-mère, espagnole de ma tante. Tu te rappelles ton arrière-grand-père hein, qui était chinois? Oui. Ben lui, maintenant, il est plus chinois. Je me suis rendu compte que tu l'avais déjà dit, que t'es, il est plus chinois. Et ensuite, je suis grecque aussi. Et je viens un petit peu du Québec aussi. Ouais, on parle comme ça là. Non, ça c'est les chics. Oh, mais vas-y, fais-moi me frotte là. Mais pourquoi t'es pas comme ça là? Qu'est-ce qu'elle a? Vas-y viens, on va boire un verre là. Oh, mais c'est fait. Non mais bravo, franchement j'aimerais trop voir une vidéo d'un ch'ti quand même, ça me fait rire. C'est qui parle comme ça? C'est dans Les Anges là, tu sais le gugus là. Vas-y là. Ou alors il y a un autre truc aussi, dans film, Les Anges, c'était dans les ch'tis. Ah oui les ch'tis. Et il y a un film aussi, c'est pas les Tuches? Non. Un film cucu comme ça ouais, là, il parle comme ça. L'après-midi. Bref. Si dans, avec Danny Boom. Danny? Tu te rappelles de Daddy? Daddy Ghoul. Oui, donne, c'est pas Daddy Ghoul, qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle m'a dit Daddy Boom. Daddy Ghoul, c'est Daddy Cool. Ah oui, Daddy Cool. Daddy Cool. Il y avait eu la pub là, le casting, la pub, non? Quel casting? Eh bien, le casting pour Daddy Cool. Oui, t'avais fait le casting. Oui. Daddy Cool, bien sûr, j'ai pas été retenue. Je vais être trop vilaine. C'est surtout que t'es à moitié égarée sur la vidéo. La vidéo ou pas? Enfin bref, la suite. Au revoir. Ouais, ramène-moi à boire. Bah, du coup, on n'a pas répondu. Oui, du coup, on disait que pour les origines, non, vraiment, je suis marocaine et. Je sais pas, est-ce qu'on est espagnol? Bah oui. Ah, voilà, à chaque fois, je dis, ouais, je crois que je suis espagnole de ma mère et marocaine de mon père. Moi, je suis. Et française de. Bah, de ma mère. Moi, je suis pied noir, espagnole et française. Voilà. Donc toi aussi t'es pied noir, espagnole, marocaine, française. Non mais si ça serait comme ça, ça voudrait dire que je suis aussi gitane de mamie. Non gitane c'est pas un... on le dit tout le temps, c'est pas une origine. Pas du tout. Mais pour moi genre, être gitane c'est une origine tu vois. Non pas du tout. Mais c'est quoi en fait, je comprends pas. C'est rien du tout, c'est une communauté. Ah les gitans. Mmh. Ok. Bon bref alors j'ai rien dit. Enfin bref. C'est pas le sujet. Ouais, c'est pas le sujet. Alors ensuite, Hello les girls, je voulais savoir si vous allez recréer une chaîne à vous deux. Ne changez pas. Non. Pas du tout. C'est pas prévu parce que franchement, elle, des vidéos avec moi, jamais. J'en ai marre. À chaque fois, elle me force à faire des vidéos avec moi. Elle me tire par la main pour faire des vidéos avec moi. À chaque fois, je dis non, je fais pas de vidéos avec toi, mais tout le temps, elle fait du forcing. Elle aime trop faire des vidéos avec moi. On te voit pas. On dirait que je suis énorme dans la vidéo. Ensuite. Attends, on n'a pas fini. Pourquoi tout le temps tu parles avec les questions? Est-ce que j'oublie? Avec ma petite. Est-ce qu'on va faire des vidéos ensemble? Ah oui, chaîne. Mais non, j'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie. C'est assez long de chaînes. Enfin, une chaîne chacune. Ouais, imaginez, on se rajoute une chaîne. Ah non, c'est bon, il y a trop de montage. C'est trop de ça. Même, genre, c'est comme les youtubeuses qui ont 3 ou 4 chaînes. Une chaîne vlogging. Vlog, pardon. Une chaîne cuisine. Une chaîne, ouais. Oh là là, comment une chaîne beauté. Autant tout faire sur la même chaîne, je trouve ça ouais. La même. Ouais, franchement, moi je préfère tout faire sur la même chaîne. Ouais. Ouais, à un moment, je voulais ouvrir une chaîne spéciale vlog. Je me suis dit que ça n'avait pas le coup. Je préfère tout avoir sur la pareil, même. Je trouve. Ouais. Je préfère avoir tout sur le même truc, c'est mieux. Ouais, un truc à gérer du coup. Alors, quelle est la chose que vous préférez faire ensemble? Non, attends, il y a eu un message juste avant. Hein. J'avais pas vu celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là aussi, par contre, je vais vous lire le pseudo. Non, mais non. Ah, mais si. Mais non, après, la personne, elle va être trop triste que tu dises ça. Non, ah, elle ne va pas elle, apparaître dans la vidéo. Mais elle, franchement, déjà, je vous lis la phrase. Tissène, elle est trop belle. Comment elle fait pour supporter que les gens la badent? Mmh.
C'est mes copines, ça. Alors, Tisnaï, je vais te répondre. C'est Tisnaï qui a marqué ça. Comment... Alors, Tisnaï, je te réponds. En tant que Tisnaï, c'est vraiment compliqué au quotidien d'être belle. Faut vraiment, franchement, je marche dans la rue et... Ils tombent comme des mouches. Ah ouais. Quand j'en ai marre, je marche à côté de quelqu'un, il fait... Waouh, tu veux m'épouser? Tous les jours, je dois dire non, mais vas-y, c'est bon, j'en ai marre d'épouser des hommes, là. T'as combien sur le compte? J'ai 300 000 euros. Ah, ça peut se négocier, dis donc. Tu vois? Arrête, c'est pas bien de mettre ça sur YouTube, les gens ils vont dire, oh, c'est une michto. Bon, j'ai rien dit, coupe ce moment. Je couperai du tout, faut assumer. On assume. Non, en vrai, c'est compliqué, quoi. D'être belle, voilà. Je rigole, c'est de l'humour. L'humour noir, mais c'est de l'humour. Question suivante. Je suis lourde, non? Putain, froid, les gens, ils m'aiment des fois. Ah, moi, tu vois, je me supporterais pas. T'es trop belle. Ah, mais moi, je te supporte pas, j'arrête pas de te dire. À chaque fois, j'arrête pas de te dire comment tu fais que d'avoir des copines, toi. De voilà, des fois, je lui dis, je plains ton mari. Oh là là. Mais ouais, lui, il se plaint pas. Hein. Insupportable. Avoir une belle gosse comme ça à la maison, c'est pas donné à tout le monde. Mais... Il y a des gens dans les commentaires qui vont venir et vont dire ouais, je crois belle alors qu'elle est vilaine comme un ton. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce gros machin là qui parle là, sa petite tête. Et ce gros machin. Bref, la vidéo a duré 3 heures. Ah ouais. Alors, quelle est la chose que vous préférez faire ensemble? Rien du tout. Bouffer. Ouais. Bouffer, ouais. Ah ouais, bouffer. Il me tarde la fête à moi, ça. Moi aussi. Des les churros, tu sais qu'il me tarde de manger des churros, moi. Ouais. Ou le beignet. Ou la glace italienne. Oh, le churros. La bande d'amour. Ah ouais, la bande d'amour aussi. Ou les gros bonbons là de mettre. Ouais. Ou le gros churros en Nutella. Ah ouais. Excellent, excellent. Bref. Ensuite. Bon, qu'est-ce qu'on aime faire ensemble à part bouffer? Elle aime bien faire les magasins avec moi, parce que comme ça c'est moi qui paye. Ouais, alors déjà là, dans la semaine, je dois t'amener à Yves Rocher pour tu me payes la brue. Je rêve. Elle rêve, c'est là un peu, non? Je crois qu'il y en a. Ouais, j'ai une brume, 13 euros, c'est cher. Mais t'es sorti de trucs là. Non, mais c'est moins 50 sur le deuxième. T'as gratté tous les trucs? Ouais. Et un produit acheté, un produit offert ou moins 50 sur le deuxième? En gros, tu payes quand même 13 euros. Tu achètes un produit, t'en as deux. Ouais. Bon, on verra. Ensuite. Bonjour, bonsoir, est-ce que vous vous disputez souvent? Gros bisous. On n'a pas répondu déjà à ça? Non. Tout le temps. Bon, tous les jours. Juste 3 ou 4 fois par jour. Dès que Tisène a fait sa crise de bipolarité, on se dispute. Non, déjà bipolaire c'est une maladie. Ok? Je crois. À chaque fois j'oublie. Donc déjà, voilà, et c'est pas bien. Et en vrai, vous savez pourquoi on se dispute? Parce que. Mais en vrai, tu dis que je suis bipolaire, mais si tu réfléchis bien, c'est qui change d'humeur? Ah! Ah là, je suis énervée. Pourquoi t'es énervée? Je sais pas, j'ai envie d'être énervée. Ah, mais elle est là, elle t'engueule comme un chien. Qu'est-ce que je fais, moi? Vas-y, je suis énervée. Ah, c'est qui est comme ça? Mais c'est qui que d'un coup, tu rigoles, je m'en vais dans la cuisine, je reviens. Ah, vas-y, c'est bon. Ah. Ou alors, elle est là. Elle te regarde comme ça, là. Et hop, ah, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a encore, ça? Vas-y, c'est bon, parle pas. Vas-y, vas-y, laisse-moi tranquille. On n'a pas compris pourquoi. Ou alors, des fois, j'arrive dans la chambre, elle pleure. Parce que la prof, elle y a mis une mauvaise note, ou un truc comme ça, ou la prof, elle a saqué. Elle est en train de pleurer, elle dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et puis, 2 heures après, pourquoi tu pleures? Mais la prof, elle m'a mis une mauvaise note. Non, mais attendez. Moi, je crois qu'elle pleure parce qu'il y a un truc grave, ou alors elle a regardé une série qui est triste, ou quoi? Ah ouais, je regarde une série qui est triste, et pendant une heure, je suis là. Ça se passe pas comme ça, la vie. Non mais je rêve quoi. Moi je pleure pas déjà devant les films, je suis pas un PD. Enfin, t'as pleuré la fois pour Beethoven. Quand le chien est mort. Beethoven, je ne sais pas c'est quoi. Je sais juste que c'est un chien. Ensuite, sortie Beethoven. Ah, là. Pas de questions TMCC. Je... Oui, ça... je pense que je vais... Ah, j'arrive pas à lire. Je crois que vous savez ce que je pense de vous. Ouais, voilà. Bisous, 4. 4.
Tisène va rester vivre avec toi ou va partir. PS, continuez, vous êtes les meilleurs. Moi, je compte rester ici jusqu'à 50 ans. Ouais, hein, franchement, elle compte pas partir, c'est j'ai habité ici avec mes enfants. Voilà. La location chez la mère. On se met yend. Non, en vrai, ouais. Je vais la supporter toute ma vie, cette fille. C'est pas possible. Non, en vrai, mais t'as trop de parties. On va faire les vidéos. Je te jure, quand tu t'en vas, je viens chez toi, je fais les vidéos. Je m'incruste. T'as intérêt à avoir un beau fond. Ou alors. Je voulais péter, c'est pas sorti. Elle s'est pris. Elle s'est pris pour une autre. Elle a rentré sa tête dans le lit, elle a sorti le cul, tu sais. Hallucine. Ouais, c'est bon, hein. Comment vous faites pour avoir une relation aussi proche? En fait, on fait semblant. Voilà. On fait semblant, en fait. Ouais. Ouais. Tout ça, c'est surjoué. Ouais. De toute façon, sur YouTube, on est des grands comédiens. Voilà. Voilà. On met faute. Alors, en fait, c'est toi qui... Ça me fait rincer une fois. J'étais à la gym. T'as fait un choc à pic. Ça t'est jamais arrivé à la gym, tu fais une roulade avant, tu te pètes dessus? Non. C'est obligé. Hey, les gens, quand vous avez fait une roulade avant pendant les gym ou quoi, ça vous est jamais arrivé de lâcher un P pendant votre roulade? Ça m'est arrivé plein de fois. Tu fais ta petite roulade et... C'est vrai. Enfin bref. Enfin ouais, bon mais on va se terminer là parce que c'est devenu n'importe quoi là. Ouais, voilà. Ouais, attends, ça me gratte. J'ai les cheveux gras du coup, ça me gratte. Là, je vais aller tourner une petite story time avec Tisène. Et puis voilà. Bon, mais si vous avez... on fera notre truc comme ça avec des questions, mais ça sera d'autres questions, parce que du coup, les questions, c'était les mêmes qui sont revenues à chaque fois. Non? Ouais. Faudra... Ouais, mais le problème, c'est qu'ils posent jamais trop de questions diverses, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On pose des questions, en fait, il faut faire un sujet. Il faut faire un sujet de questions pour que ça soit bien. Non? Ouais. Allez, on fait des gros bisous. Ouais. On vous dit à très bientôt, hein. Bye bye. Voilà. Bye bye. On fait la truc de couverture là. Aïe, aïe. Mais c'était pas comme ça, c'était comme ça. C'était comment? Toi tu fais genre de m'attraper et moi je veux partir et moi je te pousse la tête pour que... Attends. Ah oui. Viens de parler. Attends, viens recule un peu. Faire la grimace aussi. Attends, non. Il fait genre d'avoir la gueule éclatée toi. La bouche éclatée. Vas-y. Attends. Et bon. Aïe, tu me fais mal. Ouais. Aïe.